Bonjour et bienvenue à ce journal magazine de 7h à la une de ce dimanche. Fini le suspense, la commission électorale nationale indépendante vient de lever les voiles sur le calendrier électoral. La prochaine élection présidentielle aura bel et bien lieu en 2023, le 20 décembre exactement, en même temps que le législatif et les élections provinciales. La CENI a officiellement annoncé le calendrier électoral depuis hier. Vous suivrez le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, au début de ce journal. Également sommaire de ce dimanche, il ne reste plus aucun survivant des anciens combattants congolais de la Seconde Guerre mondiale. Le dernier, le caporal Albert Kounioukou, vient de rendre l'âme. C'était depuis le vendredi 25 novembre à l'âge de 100 ans. L'histoire de son parcours historique est relatée dans deux films, L'ombre des oubliés et Mon caporal, réalisés tous par le professeur Adolphe Voto, que vous suivrez dans un instant. Et enfin, le chômage touche de plein fouet la jeunesse congolaise. Une situation aujourd'hui à la base de plusieurs maux, dont le banditisme, la prostitution et beaucoup d'autres vices. Que faire pour avoir du boulot en RDC? Que doivent faire les institutions du pays? Vous trouverez deux réponses dans l'unique dossier qui sera développé dans ces journaux magazines. Un journal qui s'ouvre d'ailleurs par deux faits qui marquent l'actualité de ce dimanche. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio-télévision nationale congolaise. Je le disais en titre, les électeurs congolais sont appelés aux urnes le 20 décembre 2023 pour la présidentielle. Cette présidentielle sera couplée avec des élections législatives et provinciales. C'est ce que révèle le calendrier électoral publié depuis hier par la Commission électorale nationale et indépendante. Les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs débutent déjà le 24 décembre de cette année. Les grandes lignes de ces calendriers avec le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi. On l'écoute. Présenter les grandes lignes du calendrier. Le premier point, c'est la constitution du fichier électoral. Du 24 décembre 2022 au 23 janvier 2023, il y aura identification et enrôlement des électeurs dans les provinces de l'aire opérationnelle 1. Du 25 janvier au 23 février, ça sera l'identification et enrôlement des électeurs dans l'aire opérationnelle 2. Du 16 février au 17 mars, ça sera le tour de l'aire opérationnelle 3. Du 21 mai au 21 mai, nous allons procéder à la publication des statistiques des électeurs par circonscription électorale. Du 23 mai au 1er juin 2023, adoption de la loi sur la répartition des sièges par le Parlement. 1er juin, 15 juin 2023, promulgation de la loi sur la répartition des sièges. 2. Opération de réception et traitement des candidatures au scrutin direct. Du 25 juin 2023, convocation de l'électorat pour la députation nationale. 26 juin 15 juillet 2023, ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures à la députation nationale, dépôt et traitement des dossiers de candidature. Le 2 août, la convocation de l'électorat pour les députés provinciaux et les conseillers communaux. Du 3 août au 22 août, ouverture des bureaux de réception et des traitement des candidatures pour l'élection des députés provinciaux et des conseillers communaux, dépôt et traitement des dossiers des candidatures. Du 1er septembre, convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle. Du 19 novembre au 18 décembre 2023, campagne électorale pour les candidats présidents de la République, députés nationaux et députés provinciaux. Du 4 décembre au 18 décembre, campagne électorale pour les candidats conseillers communaux et locaux. Le 20 décembre 2023, ça sera le jour de l'organisation des scrutins directs du président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux et des conseillers communaux. Alors, le 20 janvier 2024, ça sera la prestation de serment du président de la République. Et justement, quelques minutes seulement après la publication de ces calendriers, les réactions ne se font pas attendre. Tous les sceptiques sont appelés à se mettre en mouvement pour rejoindre le train électoral déjà en marche. Appel du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Il est au micro de Blaise Boukou-Kassanza. C'est une partie où beaucoup de structures sont engagées. Chacun doit jouer son rôle parce que pour nous, tenir les délais constitutionnels, consolider la démocratie, comme j'aime à le dire, ce n'est pas une question d'obligation, pas au sens constitutionnel du terme, mais au sens de ceux qui pensent, ils doivent nous pousser pour faire ce que nous pensons être la voie royale pour obtenir l'onction populaire. Et donc il appartient dorénavant à tous les acteurs qui sont engagés, à tous les sceptiques,
de se mettre en mouvement pour joindre le train électoral. Le troisième a été respecté comme chaque vendredi. Le membre du gouvernement se sont retrouvés autour du président de la République pour les 78e conseil de ministres. Parmi les points évoqués, les gigantesques programmes de développement de 145 territoires. On écoute un extrait de ce conseil de ministres avec le porte-parole du gouvernement et ministre de Médias et de Communication, Patrick Mouyaï. Point de la communication du président de la République a porté sur l'accompagnement du gouvernement aux initiatives du secteur privé dans le province. Après avoir participé récemment au forum Makutano à Mbujimayi et au forum Kimvua Makiakongo, édition 2022 dans le Congo central, le président de la République a salué les thématiques et les recommandations qui y ont été formulées. Celles-ci rencontrent sa vision fondée sur la nécessité de diversifier l'économie, notamment par la création des chaînes de valeur dans les secteurs agricoles et la mise en œuvre du plan de développement local des 145 territoires qui a pour objectif de booster la réalisation des infrastructures structurantes dans nos 26 provinces. Il ne restait plus aucun survivant des anciens combattants congolais de la Seconde Guerre mondiale. Le dernier, le caporal Albert Kouniouko, vient de rendre l'âme. C'était depuis le vendredi 25 novembre à l'âge de 100 ans. Une partie de sa vie a été présentée au Sénat belge par le professeur Joseph-Adolphe Voto. Le parcours de ces 20 ans militaires dans ses récits signé Georges-Frédéric Nzipou. L'un des derniers ex-combattants congolais de la Seconde Guerre mondiale, le caporal Albert Kouniouko, a tiré sa révérence ce vendredi 25 novembre 2022 à Kinshasa à l'âge de 100 ans. Le caporal Albert Kouniouko avait été enrôlé de force à 18 ans en 1943. Il figurait parmi les éléments de la force publique envoyés pendant la Deuxième Guerre mondiale à Alger, puis en Birmanie, sous les ordres du général britannique Montgomery, pour combattre le Japon, la Chine et la Corée. Il a été décoré le mercredi 8 juin dernier à Kinshasa, commandeur de l'ordre de la couronne par le roi Philippe de Belgique. C'était en présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Professeur José-Adolphe Voto, réalisateur du film « Mon caporal », se souvient de l'illustre disparu. Albert Kouniouko, c'est un des derniers qui a été retracé, ancien combattant congolais de la Deuxième Guerre mondiale, qui a combattu au sein de la force publique. Comme il est parti, nous allons continuer à essayer de travailler pour immortaliser sa mémoire. C'était ça l'objectif du film, faire connaître nos héros, faire connaître l'histoire de notre armée qui, par défaut, a toujours été pris comme une armée faible, alors que nos grands-pères, nos aïeux ont combattu partout dans le monde. Eux seuls ont fait une guerre réellement mondiale, parce qu'ils ont été partout. Et ça, c'est Yassins qui le dit, ils n'ont jamais perdu une seule bataille. Et puisqu'il faut le dire, le centenaire du caporal Albert Kouniouko a été marqué par une marche de santé, un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, qui a également sensibilisé la jeunesse congolaise, l'appelant au patriotisme pour la pacification de l'Est de la RDC. Le président angolais, João Lourenço, à la rescousse des déplacés fuyant le combat entre les forces armées de la RDC et le rebelle du M23 en territoire des Rutshuru au Nord Kivu, une cargaison de 30 tonnes de vivres destinée à ces déplacés a été réceptionnée par le gouverneur militaire. Suivez. Malheur que l'on reconnaît un vrai ami, cet adage. Le président angolais, João Lourenço, vient de le matérialiser en volant au secours des déplacés de guerre avec une assistance des 30 tonnes de vivres réceptionnées ce samedi 26 novembre 2022 à l'aéroport de Goma par le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima, au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. L'officiel angolais qui a remis ce don a indiqué que le président angolais reste très attentif à la souffrance qu'endure les déplacés ayant fui la guerre entre les FRDC et le M23. Cette assistance est constituée des poissons salés, des boîtes de lait concentrées, des biscuits, sardines, la farine de maïs et l'huile végétale. Suivez le lieutenant général Nassone Joao, délégué du président angolais. Pendant plusieurs années, la région des Grands Lacs est victime de la violence meurtrière, laissant à leur passage des victimes qui sont souvent nos frères, sœurs, mères, père et enfant, et c'est là un défi majeur que notre région, à travers
de ces autorités doit relever d'une manière définitive. Le peuple angolais, qui a connu la guerre pendant plusieurs années, sait parfaitement les conséquences de la violence des armes, qui se résume en fait pauvreté extrême, maladie et toutes sortes de situations qui plongent des personnes dans la souffrance. Mais l'espoir est toujours là pour redonner un sourire aux personnes en souffrance. C'est dans ce sens que notre président, son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, en tant que médiateur, fait le nécessaire pour que la paix règne à l'est de la RDC en particulier et en Afrique en général. João Lourenço voudrait que la paix règne à jamais dans toute la partie est de la RDC, a-t-il ajouté. Au nom de la population meurtrie de la province, le gouverneur militaire a remercié sincèrement le président angolais pour cet acte de générosité à l'endroit de ses administrés, tout en reconnaissant le lien fraternel qui a toujours caractérisé ces deux pays frères. Au nom de toute la population déplacée suite aux affrontements meurtriers de Rutshuru, nous disons grand merci. Ceci démontre le leadership qui existe tant bien entre le président Lourenço de l'Angola et son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, qui connaissent, ils savent que l'Angola et la République démocratique du Congo ont une histoire. Nous sommes effectivement des frères et sœurs. Et le geste que vient de poser le président Lourenço entre dans ce cadre-là. Il nous reste à lui remercier au nom de toute la population en déplacement aujourd'hui ici à Goma. Je le remercie sincèrement. Cette assistance sera acheminée d'ici peu aux déplacés de guerre, a conclu Constant Dima. Les rues de la province du Congo central étaient agitées hier. En colère, de milliers de Congolais se sont déversés dans les rues pour manifester leur mécontentement au Rwanda, principal agresseur de leur pays, particulièrement dans sa partie est. Ils ont aussi pointé du doigt la communauté internationale pour ses silences complices. C'est un reportage depuis Rambouy Saïdi. Ils étaient nombreux, ces compatriotes, venus de toutes les parties de la ville portuaire de Matadi au Congo central, à communier comme une seule personne avec les autres forces vives du pays, épris de paix sociale et de concorde nationale à travers cette marche pacifique de soutien aux idéaux républicains prônés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le commandant suprême de nos forces armées, de la police nationale congolaise, sans oublier nos vaillants soldats de FRDC engagés au front de la partie est du pays pour défendre notre intégrité territoriale. Calico en main, banderole devant les différents groupes, polo et t-shirt, vantant les acquis positifs de notre souveraineté, cette marée humaine qui a pris d'assaut les principales artères de cette cité est partie de la place Mvoidou en passant par les ronds-points 24 novembre, ensuite 24-15 et l'esplanade du gouvernorat de province pour chuter au stade d'Amar, où le maire sortant de la ville, Maître Patindou Zouamakengedi, a socialisé la masse sur le bien fondé de cette action nationaliste de grande envergure républicaine. Nous soutenons Tata Mokonzi, le vrai bandeau qu'on a mis sur. Il convient de souligner que toutes les sociétés étatiques, structures et services de l'État exerçant leurs activités à Matadi ont également pris une part active à cette marche pacifique de soutien en nous voyant fardessés. Les couteaux restent toujours tirés au Sud-Kivu entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Après de vives tensions observées ces derniers jours entre les deux partis, les gouverneurs Teungwa Bijé et tout son gouvernement ont été finalement déchus. Le caucus des députés nationaux de cette province est allé faire rapport au Premier ministre Jean-Michel Samalukonde de la situation chaotique que traverse leur province. D'autres questions touchant le développement de la province du Sud-Kivu ont été également débattues lors de ces échanges. Patti Tondwango, Julien Piana et bienvenue. Le Sala ont signé ces reportages. Le développement de la province du Sud Kivu passe aussi par la réhabilitation des infrastructures routières, les différents projets en cours d'exécution ainsi que des questions d'ordre politique qui entravent la bonne marche de la province ont été soumis au Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge par le caucus des députés nationaux de cette province. Nous sommes venus
pour parler principalement de deux aspects, l'aspect politique et l'aspect développement de notre province. S'agissant de la politique, hier, je crois que vous avez suivi, le gouverneur Ngouabidjé a été déchu. C'est pourquoi nous avons fait part au Premier ministre pour qu'on voit ensemble ce problème. Nous savons poser les problèmes, nous allons continuer les suivis pour qu'on voie si on peut trouver mieux pour la province. S'agissant des projets de développement, nous avons parlé de projets déjà financés, de projets qui ont commencé, mais qui ont, par nous ne savons quelle magie, pendant qu'ils étaient en phase d'exécution, du coup, tout s'est arrêté et nous avons pensé qu'il était temps de pouvoir relancer. Il y a le projet concernant les infrastructures routières pour la route nationale 2, la route nationale 5, la route nationale 3. Entre autres, il y a aussi l'électrification de Niaviwe dans les territoires du Calais. D'autres projets pour booster l'économie de la province du Sud Kivu, tels que l'électrification de l'île d'Idjoué, ont été présentés au chef du gouvernement, a conclu le député national Prosper Mirobou, chef de la délégation. Les échanges entre le président kényan William Ruto et Félix Tshisekedi a lancé la semaine du président de la République démocratique du Congo qui, quelques jours après, a participé au mini-sommet de Luanda. Le résumé de la semaine du président, c'est avec Pierre Kibambe-Somouis. Luanda a abrité un mini-sommet sur la paix et la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, convoqué par le président de l'Angola, João Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine pour un dialogue entre la RDC et le Rwanda. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part aux assises où l'on a noté la présence du président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, président des exercices de la communauté d'Afrique de l'Est, du facilitateur du processus de Nairobi, l'ex-président Uhuru Kenyatta, le président du Rwanda s'est en fait représenté par son ministre des Affaires étrangères. La rencontre de Luanda s'est clôturée par un accord de cessez-le-feu imposé au groupe terroriste M23. L'accord a aussi exigé que le M23 se retire des zones occupées en RDC. En début de semaine, le président du Kenya, William Ruto, a effectué une visite officielle à Kinshasa. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accueilli son homologue kenyan au Palais de la Nation, où les deux chefs d'État se sont entretenus en tête-à-tête pendant plus d'une heure. Les communiqués conjoints à l'issue de cette rencontre indiquent que les deux chefs d'État ont échangé sur des questions de coopération bilatérale entre Kinshasa et Nairobi et sur la situation sécuritaire prévalant dans l'est de la RDC. Ils ont réaffirmé leur détermination de mettre un terme à l'insécurité dans cette partie du territoire national et de travailler avec leurs pairs de la communauté d'Afrique de l'Est en vue de créer les conditions optimales d'une coopération multilatérale au profit des peuples de la région. Président du conseil d'administration de l'Agence congolaise de presse, ancien porte-parole du chef de l'État, Tarsis Kasongo-Mwema Yamba-Yamba a quitté la terre des hommes. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu une visite de réconfort à Madame Hubertine Mbungu-Mwema, la veuve, et aux membres de la famille biologique de Kasongo-Mwema. Les auteurs du cabinet du chef de l'État, Guylaine Yembo, a signé le livre de condoléances ouvert par la famille pour la circonstance. Le mercredi 23 novembre, le président de la République est allé en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, rendre les derniers hommages à Kasongo Mwema au cours d'une cérémonie d'hommage dans l'enceinte de la clinique Yunoise dans la commune de la Gombe. Le chef de l'État a déposé une couronne de fleurs devant la dépouille de l'illustre disparu. Feu Tarsis Kasongo Mwema a été décoré à titre posthume par les chanceliers des ordres nationaux, l'élevant au grade de grand officier de l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba.
Lancement opération dépose ta machette contre le jeune Koulouna a attiré l'attention de notre rédaction cette semaine. Plusieurs colloques et ateliers ont eu lieu cette même semaine, comme la semaine d'industrialisation de l'Union africaine tenue à Niger et aussi la cérémonie de remise reprise à la RTNC. Des informations diffusées sur nos antennes. Si vous avez manqué un sujet d'actualité cette semaine, Élisée Kambala vous propose un récap en quelques minutes. Chef a été dominé par le 104e anniversaire d'armistice célébré à Kinshasa le mardi dernier au mémorial des anciens combattants situé au rond-point Force publique à Kassavubu en présence de la vice-ministre de la Défense. Une manière de rendre hommage à nos vaillants anciens combattants qui se sont sacrifiés pour retrouver la paix. Appel au changement de comportement et de patriotisme, tel est l'objectif de la campagne de sensibilisation de jeunes Koulouna au travers l'opération Machette contre 10 000 francs congolais initiée par le mouvement CRI de la jeunesse. Les travaux de la conférence sur la revue annuelle sectorielle de la santé en République démocratique du Congo se sont tenus du 21 au 24 novembre 2022. Les participants ont mis un accent sur les opportunités à capitaliser pour la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Rencontre du président de la CENI, Denis Kadima, et du directeur pays de l'Agence américaine pour le développement international, John Dunlop, était axée sur les questions relatives à l'organisation des élections générales en République démocratique du Congo, notamment la révision des fichiers électoraux à travers l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs prévus au mois de décembre 2022. La semaine d'industrialisation de l'Union africaine, le ministre de l'Industrie a présenté le plan directeur d'industrialisation de la RDC avec le développement des zones économiques spéciales et le grand projet panafricain de l'industrie des batteries électriques à Niamey au Niger. La troisième édition du Forum d'innovation des jeunes entrepreneurs congolais, FIJEC, a été sanctionnée par la proclamation des lauréats porteurs des projets innovants. Quelques-uns ont été retenus afin de bénéficier d'un accompagnement du gouvernement. Remise reprise entre le secrétaire général entrant et sortant au ministère de la Communication et des Médias. La cérémonie a eu lieu le mercredi dernier sous la supervision de l'inspecteur général principal à la fonction publique. À la Radio-Télévision nationale congolaise, le directeur général ad interim Beli Debunga a cédé le fauteuil à Sylvie Elenge Moulay en présence du directeur de cabinet du ministre de la Communication et Médias, le nouveau secrétaire général des médias ainsi que les agents et cadres de la RTNC et les autres organes de presse vendredi dernier. L'École nationale d'administration, ENA, désormais en partenariat avec l'École supérieure d'administration publique de l'Université nationale de Séoul en Corée du Sud. Un accord de partenariat gagnant-gagnant a été signé entre le nouvel ambassadeur de Corée du Sud en RDC et le directeur général de l'ENA. Cet accord va contribuer à renforcer la bonne gouvernance de l'administration congolaise. Dans le cadre de la campagne de solidarité nationale et de mobilisation pour la patrie initiée par le chef de l'État et en prélude du Téléthon prévu pour le 5 décembre prochain, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a animé un point de presse quant à ce. Le chômage touche de plein fouet la jeunesse congolaise, une situation aujourd'hui à la base de plusieurs maux dont le banditisme, la prostitution et beaucoup d'autres vices. Et que faire pour avoir du boulot en RDC? Qui doivent faire les institutions du pays pour résorber ces taux de chômage? Nos reporters ont tenté de rencontrer quelques experts pour donner de pistes de solutions. Jojo Ntibou pour plus de détails. C'est une réalité qui entrave le fonctionnement d'une nation. Il est la source de plusieurs maux. Aujourd'hui, le problème est que les chômages bas sont pleins. Jeunesse, oh, à l'élo. Ce n'est pas bon encadré, mais on bien été. Donc, il y a retardement. Même les gens qu'on appelle le Koulouna ne doivent plus exister. Il y a tout cela parce qu'il n'y a pas le travail. Si l'État pouvait faire quelque chose pour que la jeunesse congolaise puisse guérir de ces fléaux, le travail, ça nobile l'homme. Le manque de stabilité financière favorise la pauvreté dans un pays. En République démocratique du Congo, le taux de chômage est de plus en plus croissant. À cause des manques de création d'emplois. La jeunesse congolaise aujourd'hui représente plus de 75%. C'est déjà une force, un atout dans ces beaux pays.
pourquoi l'importance de se lancer dans une activité entrepreneuriale. Le taux de chômage va réduire. La jeunesse congolaise est livrée à cette réalité et pourtant on dit souvent que l'avenir d'une nation responsable repose sur elle. Concernant l'administration publique, le recrutement des nouvelles unités dépend du budget. L'administration ne recrute qu'au prorata des postes qui sont budgétairement prévus dans chaque structure organique des différents ministères. Pour assurer un peu la relève de tous ceux qui vont en retraite, le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale dispose d'un office national qu'on appelle Office national d'emploi, où sont répertoriés, n'est-ce pas, les chômeurs qui se cherchent des opportunités professionnelles. Toutes les tentatives de contacter l'Office national de l'emploi, ONEM, ont été sans succès, d'où les statistiques fiables n'ont pas été disponibles. Les causes du chômage en RDC sont multiples et les avis restent partagés. Le travail qui peut être fait par les Congolais est maintenant fait par des expatriés. Ou bien ça augmente le nombre de chômages chez nous, au lieu de diminuer le nombre de chômages dans les emplois que les étrangers peuvent venir faire chez nous. Nous, ça, là, toute la société, tout ça a besoin de compétences. Aujourd'hui, l'obtention d'un emploi au sein d'une entreprise est subordonnée à un parapluie quelconque. Le ministère du Travail a également du pain sur la planche car devons travailler en synergie avec celui de la fonction publique pour résoudre la problématique de l'employabilité de jeunes Congolais et ceux qui ont fait carrière sont appelés un jour d'aller en retraite après de bons et loyaux services rendus à la nation. L'administration publique est en plein processus de mise à la retraite parce qu'on ne peut pas recruter tant que ceux qui travaillent et ont atteint l'âge de la retraite ne sortent pas. Parce que chaque service a un certain nombre de postes pour lesquels les agents sont en activité de service et du moment où celui qui a atteint l'âge de la retraite, il va devoir partir avec ces nouveaux cadres réglementaires du 8 juin. Pour 2022, il a été retenu un effectif de 10 000. Donc les 4406 que vous avez renseignés, c'est la première vague. L'avenir de notre pays doit se préparer aujourd'hui. Combattre le chômage doit être une affaire de tous. Et pour finir, le ministre de l'Agriculture séjourne depuis hier en Mbujimayi au Kasaï oriental. Sur place, il a visité quelques sites du programme agricole volontariste. Marthe Mangaza pour plus de détails. Aussitôt arrivé en Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzingabirionze, a pris les cap pour Kouadi, village situé à 40 km de la capitale diamantifère, où il a visité le site du programme volontariste agricole d'Nkouadi. Ce site s'inscrit dans l'agenda des transformations agricoles initiées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers le ministère de l'Agriculture. Sur place, le patron de la politique du ventre, Désiré Nzingabirionze, est accompagné du ministre provincial de l'Agriculture, Jean-Marie Mbouyi. Jean-Marie Mbouimoukandi et d'autres cadres du BAB a visité le champ de maïs dont la récolte pourra tant soit peu soulager les vécus quotidiens de la population de ces coins du pays. Occasion pour les patrons de la politique du ventre, Désiré Nzinga, de visiter les usines de transformation de produits agricoles et d'autres matériels. Tout au long du chemin, j'ai vu quand même les maïs au niveau des familles. Moi, je crois que nous allons continuer à aider l'agriculture familiale. Et puis après, on se bat pour que les agro-industries naissent pour la production ou la grande production. Et peut-être que ça peut nous amener à l'exportation. Mais nous devons être prêts pour d'abord nourrir la population. Présent au rappel de titre avant de nous séparer. Fini les suspens. La Commission électorale nationale indépendante vient de lever les voiles sur le calendrier électoral. La prochaine élection présidentielle aura bel et bien lieu en 2023, le 20 décembre exactement, en même temps que les législatives et les provinciales. Vous avez suivi dans ce journal toutes les précisions avec le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi. Également dans ce journal, nous vous avons proposé le portrait du dernier survivant de
anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, le caporal Albert Kounyoukou, qui a rendu l'âme depuis le vendredi à l'âge de 100 ans. L'histoire de son parcours historique est relatée dans deux films, L'ombre des oubliés et Mon caporal, réalisés tous par le professeur Adolphe Voto. Et enfin, le chômage touche de plein fouet la jeunesse congolaise, une situation aujourd'hui à la base de plusieurs maux, dont le banditisme, la prostitution et beaucoup d'autres vices. C'était l'unique dossier diffusé tout au long de ce journal. Mesdames, Messieurs, ce journal a été réalisé par Papi Vouélé, Alain Soudi, Joël Pianga et Gabi Kunga. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h Bobet et Yengali Samba. Très bon suivi des programmes sur nos antennes. Au revoir.